Un footballeur franco-algérien convoqué par l'Algérie et la France. Jawan Hajjam est un jeune joueur en pleine ascension en Ligue 1 française. Ce jeune latéral gauche franco-algérien de 19 ans qui évolue au FC Nantes affiche des performances qui ont attiré les sélections nationales françaises et algériennes. Début février, cet ancien du Paris FC a été crédité d'une prestation de qualité contre Rennes, ce qui lui a valu de figurer dans l'équipe type de la Ligue 1 du quotidien sportif L'Équipe. Selon Foot Mercato, Jawan Hajjam a tapé dans l'œil du sélectionneur d'Algérie, Jamel Belmadi, qui cherche à renforcer les rangs des Verts en prévision des prochaines éliminatoires de la CAN 2023 et la qualification mondiale 2026. S'il accepte de porter les couleurs des Verts, il pourrait être présent pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale en prévision de la double confrontation contre le Niger en éliminatoire de la CAN 2023, le 23 mars à Alger et le 27 mars à Tunis. Ce jeune joueur cadre bien avec le projet de reconstruction de l'équipe nationale lancé après le double échec des éliminations en 2022. Depuis cette débâcle, Jamel Belmadi a entrepris un projet de renouvellement des effectifs des Verts avec en ligne de mire des binationaux qui évoluent dans les championnats européens. Des franco-algériens pour renforcer les rangs de l'équipe d'Algérie. Le latéral gauche de Wolverhampton, Ryan Aitlouli, a donné son accord et a changé sa nationalité sportive pour jouer avec l'Algérie. Michel Weiser a également exprimé publiquement son désir de porter les couleurs algériennes.